Bien, alors j'en ai plein les mains du coup. Bienvenue pour cette présentation, vous êtes très nombreux. L'idée de cette présentation-là, alors déjà c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, donc il devrait y avoir plein de problèmes techniques pendant que je le fais. Ça vient d'un constat qu'on a eu un peu dans la communauté KDE, c'est pour ça que si vous regardez l'abstract, hein, c'était marqué étude de cas de la communauté KDE, mais c'est en supposant que ce qu'on va raconter dedans, c'est pas forcément. Alors, ouais, j'ai déjà perdu ma souris. Ce qu'on va raconter dedans, c'est pas forcément spécifique à la communauté KDE. Donc, il va y avoir des passages qui vont être un peu plus spécifiques, mais idéalement, les grands principes derrière seront pas spécifiques. Et donc le constat, c'est on a toujours le problème dans les communautés de logiciels libres de faire venir des contributeurs. Donc il y a plein de paramètres là-dessus. Et il y en a un auquel je me suis intéressé récemment, qui est donc ce qu'on appelle la developer story, c'est-à-dire du point de vue du développeur, hein, au lieu de se mettre du point de vue de l'utilisateur et savoir si c'est difficile d'utiliser le logiciel, c'est du point de vue du développeur, c'est est-ce que c'est difficile de démarrer et contribuer au logiciel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Kevin Autance. C'est moi qui ai fait tous les dessins du niveau d'un enfant de 5 ans. J'essaye de me soigner, je me suis mis à la facilitation graphique il n'y a pas longtemps, ce qui veut dire que je dessine toujours comme un gosse de 5 ans, mais maintenant je m'en fous. Alors, professionnellement, je bosse donc pour une entreprise qui s'appelle KDAB, qui fait du conseil, de la formation, du développement autour de Qt. Et Qt, c'est la brique technique qui est la plus utilisée au sein de la communauté KDE. Et bien évidemment, c'est parce qu'à la base, je suis issu de cette communauté-là. Donc, je fais partie des développeurs centraux de cette communauté-là. Et donc, je fais aussi un peu d'animation de la communauté, hein, pas uniquement du développement. Au niveau de cette communauté-là. Et plus anciennement, j'ai étudié à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, donc je suis ancien étudiant là-bas, et notamment j'ai fait mon doctorat. Et en faisant mon doctorat là-bas, je me suis mis à enseigner un peu, je continue à enseigner un peu en tant que vacataire à Paul Sabatier. Et parmi les choses que je fais en tant qu'enseignant, c'est de proposer des projets à des groupes d'étudiants pour qu'ils puissent contribuer à différents projets issus de la communauté KDE, puisque c'est là que j'ai des liens. C'est un peu ce travail-là en fait, qui m'a permis de voir un peu autre chose que nos développeurs habituels de la communauté KDE, comment ils se débrouillent avec le code qu'il y a. Puisque là, l'idée, c'est un peu on prend des étudiants, on leur monte la piscine, on les pousse dedans et on leur dit de nager, quoi. Donc ces projets-là, c'est des groupes et c'est des choses assez longues, donc c'est 4 à 6 mois pour les projets en question. Donc il y a 2-3 têtes que je connais parce qu'ils y sont passés, donc ils pourront me dire si je raconte des bêtises après. Et les choses que j'ai constatées, c'est un peu les différentes phases de motivation de l'étudiant. C'est oui, c'est chouette, on va avoir un truc un peu différent de ce qu'on nous propose d'habitude comme projet à la fac, où c'est des projets d'un chercheur dans un labo, et il se dit, oh, tiens, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui éponge les trucs que je n'ai pas envie de faire moi-même. Et puis après, ça finit dans un placard, donc ils disent, ah, je ne vais pas subir ça. Donc ça, c'est assez chouette, donc ils démarrent, ils sont assez contents. Après, assez vite, ils se disent, oula, mais c'est un peu compliqué, parce que Kevin, il est bien gentil, mais il me dit, faut contribuer à Kmail, et puis je récupère le code de Kmail, j'essaye de compiler, et puis ça ne marche pas. Et puis, alors je vais lui demander, et puis il me dit, ah oui, mais c'est parce que tu n'as pas installé tel truc. Ah, bon, alors j'installe tel truc. Ah, mais oui, ça compile toujours pas. Bah oui, mais c'est parce qu'il te manque aussi tel autre truc. Ah, bon, d'accord. Et ça marche toujours pas, et puis, etc., etc., d'accord. Et c'est des choses comme ça où, sur la dernière promo où j'ai fait ça, j'ai mesuré qu'on avait 2 projets. Sur les 2 projets, il leur a fallu à peu près 2 semaines, en fait, pour en arriver au stade où ils pouvaient charger leur projet dans un IDE et cliquer sur le bouton pour dire lancer le truc, et ça faisait un truc à peu près correct. D'accord ? Dans les autres types de problèmes qu'ils ont, c'est on aime bien faire des plugins. Alors c'est souvent des choses du type je lance le logiciel et puis j'ai fait ma modification et je ne vois pas la modification. Mais pourquoi je ne vois pas la modification ? Bah, c'est parce que ton plugin n'a pas été installé, il a pris celui qui est déjà dans le système en fait. Donc il ne voit pas que tu as modifié des trucs.
Donc voilà, tout ce genre de problème-là qu'on voit. Et donc au bout de 2 semaines, en gros, la motivation de l'étudiant, c'est « oh putain, 4 mois quoi ». Et donc là, bon, ça va être assez difficile de continuer à les faire avancer, de les garder motivés sur le sujet. Pour qu'ils continuent à être motivés sur le sujet, il faut vraiment que les gars ils aient la foi sur le logiciel libre, quoi, clairement. S'ils ne sont pas intéressés plus que ça par le logiciel libre à la base et qu'ils venaient plus pour le challenge technique ou autre, à dire on vous jette dans la piscine et vous nagez, là on les a écœurés, au bout de 2 semaines on les a écœurés. Quoi. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pourquoi ce genre de problème-là? Pourquoi on tue leur motivation? Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à constater, ah bah oui, effectivement il y a pas mal de ping-pong entre eux et moi pour en arriver à ce qu'ils aient quelque chose de correct. Et donc là j'ai pris la vision un peu en sens inverse, qui est de me dire, bon, comment nos développeurs qui eux s'en sortent, parce qu'ils connaissent le truc sur le bout des doigts, comment eux ils travaillent? Donc on a plusieurs, y a plusieurs façons de travailler. Donc on en a qui développent avec les paquets de la distribution. D'accord, ils ont une distribution Linux qui est installée, et puis ils installent les paquets de développement pour ce qui est nécessaire pour le logiciel, et puis ils build le logiciel par-dessus, et puis pouf, ça marche. Alors ça marche pour certains logiciels qui sont bien, on va dire, qui sont bien contenus, qui n'ont pas des dépendances un peu dans tous les sens. Donc je vois Stéphane, ça me fait penser, bah, Scrooge, typiquement, c'est un peu dans ce genre de situation-là. Tu n'as pas trop de problèmes comme ça. Un gars qui veut développer sur Camel, où ça parle à un serveur qui, lui, fait tout le cache avec les différents serveurs, il faut les plugins pour les différents protocoles. On sent bien que là, il ne va pas pouvoir simplement cloner et puis partir comme ça, quoi. Donc les gens qui travaillent comme ça, ça se passe avec, bah voilà, faut que je trouve les bons paquets, et une fois que j'ai les bons paquets, git clone, un coup de cmake, parce qu'on utilise cmake, un coup de make, et alors là par contre c'est la phase qui pue, un coup de make install, parce que souvent, quand on regarde dans la communauté KDE, même pour un truc comme ça qui est contenu, et là je pense que Scrooge a aussi le problème, c'est, je fais le git clone, le cmake, le make, j'essaye de lancer, et puis là, d'accord, ça marche pas. Krita fait la même chose. Alors Krita, ils sont un peu meilleurs parce que si tu essayes de le lancer sans l'avoir installé, il sort direct avec un assert, j'ai testé hein, pour voir. Ils ont prévu le cas, ils le détectent, il sort avec un assert et il te dit non, tu peux pas faire ça, il faut que tu m'installes d'abord. Okay. Ce qui veut dire quand même, le mec installe, c'est potentiellement, bah, soit je mets ça dans un préfixe et puis après, il faut que j'ai des variables d'environnement. Et puis voilà, au bout de 3 jours, mes étudiants, je les ai perdus. Quoi. Donc ça fonctionne donc pour les applications isolées, mais bon, il y a comme ce make install qui pue un peu, hein, on n'est pas trop content avec ça. Le problème de ça, hein, c'est que c'est spécifique Unix. Alors souvent, on le documente, quand on le documente, hein, la liste des paquets, ça reste, bah voilà, liste de paquets, donc c'est spécifique pour Linux. Si on a quelqu'un qui veut contribuer depuis Windows, bah, là c'est un peu plus difficile. L'autre problème, ce que ça nous pose, c'est quand on documente, et si on veut bien documenter, bah, c'est que les noms des paquets ils changent suivant les distributions. Donc si on veut faire la documentation pour N distributions, et puis que j'ai M applications, d'accord, parce que dans la communauté KDE, on en a 2-3 des applications, ça fait N fois M liste, quoi, à me palucher, et à maintenir, etc. Donc c'est un vrai problème. Et puis, alors là, c'est le grand bonheur. Dans le lot, des fois, on se dit, ah bah, moi, je suis dans la communauté KDE, j'ai un problème, le fixe, bah, il n'est pas dans mon application, il est dans une des dépendances qui est aussi faite par la communauté KDE. Je vais aller mettre le fixe là-bas. Et puis, maintenant, bah, c'est facile, je dépends de la version mise à jour. Ah bah oui, mais cette version-là, elle n'a pas encore eu de release. Okay. Donc ça veut dire que mon application qui est en cours de développement, maintenant, elle ne dépend plus d'une version où les gens ils peuvent l'avoir depuis, directement depuis les paquets. Ça dépend de, bah oui, il faut que j'aille le chercher depuis Git. Et donc là, ça ne marche plus pour la plupart des distributions, sauf celles qui, en fait, les paquets sont issus directement du dépôt Git de la communauté. Ce qui est le cas avec KDE Neon, ou ce qui est le cas avec donc, les variantes d'OpenSUSE qui sont Argon et Krypton, qui build directement les paquets depuis Git. Mais si je n'ai pas ça, si je veux développer depuis les paquets, je suis coincé. Je n'ai plus de moyens. Donc, typiquement, sur une Fedora, je ne suis pas sûr qu'ils aient d'équivalent vraiment. Bah, si c'est ça que j'utilise, dès que j'ai cette dépendance-là, mon contributeur, c'est fini, je l'ai perdu. Donc ça pose quand même des problèmes, déjà, rien qu'avec les paquets. Et alors, le problème numéro un, c'est vraiment voilà, installer avant d'exécuter. Donc ça, c'est une horreur. Donc il y a des solutions possibles, hein, donc ce qui est de rajouter, quand on configure dans l'IDE, de rajouter une étape pour lui dire de faire le make install directement depuis l'IDE. Mais bon, ça, on sent que c'est sale hein, quand même quelque part.
Parce que potentiellement, si le gars n'a pas fait le truc bien derrière, ça veut dire qu'il installe dans le système directement en tant que root ou autre. L'autre solution possible, c'est d'utiliser, en fait, il y a des choses qui existent hein, autour de Qt. Donc il y a le système de ressources de Qt qu'on commence à exploiter un peu plus. Depuis qu'on a identifié ça, on commence à l'exploiter un peu plus pour éviter des situations du type « Ah bah oui, mais il fallait installer juste pour que tel fichier de ressources il soit quelque part sur le disque. » Bon, ben là, maintenant, on va le chercher dans les ressources Qt qui sont à l'intérieur de la bibliothèque. Donc déjà, c'est un problème de moins. Mais avant qu'on se pose la question, on ne faisait pas ce genre de truc-là. Donc ça va bien pour tout ce qui est assets, hein, typiquement les petites icônes qui sont un peu spécifiques, les fichiers de ressources, etc. Et par contre, le gros problème, c'est les plugins. Et donc pour les plugins, la seule chose qu'on peut faire, c'est pointer sur la variable d'environnement avec le Qt plugin path. Mais là où des applications type Krita, ou j'imagine Scrooge, peuvent faire un peu mieux, c'est au lieu de me sortir un assert tout pourri pour me dire « Ah, j'ai bien vu que en fait, tu ne m'avais pas installé, installe-moi », c'est directement depuis l'applicatif, positionner à l'intérieur du main, positionner eux-mêmes le plugin path, et puis de ne pas sortir en erreur et d'aller chercher les plugins au bon endroit. Donc ça, c'est des choses qui commencent maintenant à se faire, parce qu'on a pointé le doigt dessus, mais ce n'était pas forcément assuré. Donc ça, c'est le problème hein, de ce genre de développement-là. Ça va bien, mais il faut s'assurer que les gens ils peuvent fonctionner sans le make install. Et ça, typiquement, donc là, j'en parle dans le cadre un peu de la communauté KDE, mais il y a des projets GNOME, on voit exactement la même chose. Il y a d'autres projets. Dès qu'on fait des choses qui sont un peu système, c'est des choses qu'on voit ressurgir régulièrement. Je te vois secouer la tête, j'imagine que vous avez la même chose en VLC. Ou... Non, du tout. Alors, l'autre approche qu'on peut avoir chez nos développeurs dans la communauté KDE, comme on a tout un écosystème, c'est qu'ils disent « Ah, c'est facile, je compile tout. » Donc, je compile tout l'univers, hein, tout ce qui sort de la communauté KDE, et puis voilà, je devrais pouvoir m'en tirer. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se faire en utilisant, donc, on a un script qui a été fait exprès qui s'appelle KDE SRC Build. Pareil, hein, chez GNOME, ils avaient, je ne sais pas s'ils s'en servent encore, mais ils avaient un équivalent donc, qui est GH Build. Et ça permet, donc pour éviter d'avoir à passer par le root, ça permet d'utiliser donc son propre préfixe. Et donc là, on évite d'avoir le root, mais par contre, ça veut dire variable d'environnement. Donc parmi les deux semaines, pour les derniers étudiants que j'ai eus qui devaient contribuer à Kmail, parmi les deux semaines pour réussir à contribuer, c'était se battre avec KDE SRC Build, avoir le bon fichier de config pour ça, avoir les bons fichiers d'environnement, et puis enfin, ils arrivaient à avoir le bon Kmail qui se lançait avec les bons plugins, etc. Alors ça, c'est pas mal pour nos développeurs, on va dire, historiques, parce que ça leur permet... Après, ils peuvent se servir de ce préfixe-là en production, en fait, donc c'est ce qu'ils utilisent sur leur machine, ça nous permet de détecter les bugs plus tôt. L'inconvénient, bien évidemment, c'est que comme ils les détectent plus tôt, ça veut dire qu'ils se les mangent pendant qu'ils essayent de travailler. Et donc ça permet aussi d'aller débugger en fait n'importe où. Ça permet de compiler toute la stack en debug. Et donc typiquement, c'est ce que David Ford il utilise au quotidien. Et c'est pour ça que régulièrement, je l'entends râler sur le fait qu'il y a tel truc ou tel machin qui marche pas. Mais après, il les corrige, donc c'est pas un problème. Encore plus haut. Ok, encore plus haut. Et le gros inconvénient de tout ça, c'est que ça fait des très 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 grosses compilations. Hein. On sent bien que là, il va y avoir du monde derrière, surtout en debug. C'est assez difficile de démarrer avec KDE SRC Build. Hein. Et ça va nécessiter d'avoir plein de variables d'environnement partout. Parce qu'il va falloir lui dire où trouver les binaires, il va falloir lui dire où trouver les bibliothèques, il va falloir lui dire où trouver les plugins, où trouver les ressources, etc. etc. D'accord, il y a du monde à l'heure actuelle pour ce genre de truc-là. Et la dernière approche, c'est une espèce d'entre-deux, d'accord. Donc c'est pas compiler le monde, c'est pas compiler juste une seule appli, d'accord. Dès que ça commence à avoir des dépendances un peu partout, c'est j'essaye de compiler juste le vertical, donc mon application, et puis uniquement ses dépendances issues de la communauté. Donc c'est un seul produit, mais le produit complet, hein, en allant par exemple jusqu'à Qt. Donc là, c'est des choses qui se font. Ça permet pour la plupart des gens à installer en fait, les paquets de développement uniquement pour Qt lui-même et pour les frameworks KDE. Après, on fait gérer le produit et ses dépendances par KDE SRC Build. L'avantage que ça a aussi, c'est que ça permet d'ouvrir donc, sur Windows, parce qu'on commence à avoir des gens qui commencent à faire ça. Et donc, en utilisant, on a une solution dans la communauté KDE qui s'appelle Craft. Donc qui permet de gérer ce genre de dépendance.
Il y a des gens qui commencent à s'en servir un peu comme équivalent de KDE-SRC Build, mais en dehors de Linux et vraiment pour Windows. Problème, bah encore une fois, hein, ça fait quand même des grosses compilations, d'accord, on va avoir toute la stack. Si je prends l'exemple de Kmail, hein, parce que c'est un peu notre cas pire, hein, Kmail, c'est pour ça que j'aime bien taper dessus. Mais si on prend Kmail, ça veut dire que c'est Kmail plus Aconadi, plus tous les services qu'on peut avoir besoin pour Aconadi, plus toutes les bibliothèques qui sont issues de PIM parce qu'elles ne sont pas encore dans Frameworks et qu'ils ont tendance à les développer de manière conjointe, etc. etc. Toujours pareil, difficile de démarrer avec KWSRC Build ou équivalent. Et puis, bah, ça nécessite d'installer en route, d'accord, ou de gérer des layers. Parce que là, contrairement à ce qu'on avait au cas d'avant, où on se dit, bah, j'ai toute ma stack, donc à la limite, je pointe juste sur un seul préfixe et puis j'ai terminé, même si ça fait plusieurs variables. Là, la complexité s'augmente parce que je fais ça juste pour un produit, voire deux produits. Donc, si je veux les ranger chacun dans leur préfixe, il faut que je fasse des couches, d'accord. Et donc, dans mes variables d'environnement, il faut que je dise, alors, tu vas d'abord chercher là, puis si tu ne trouves pas là, tu vas chercher là, et puis si tu ne trouves pas là, tu vas chercher dans le système, et puis il faut s'assurer qu'il fait ça dans le bon ordre. Donc, le niveau de complexité, ça fait moins incompilé, mais le niveau de complexité, niveau gestion de l'environnement, est juste pire. Et donc on se dit, bah, on doit pouvoir faire mieux que ça quand même. On doit pouvoir faire mieux ça plutôt que de dire aux gens, bah, écoutez, il va falloir que vous appreniez toutes les différentes variables d'environnement un peu bizarres qui peuvent traîner un peu partout, et dans Qt, et dans les frameworks, et dans les différentes applications que vous allez contribuer. Ce n'est pas forcément idéal par rapport à ça. Et donc, vraiment, la solution idéale qu'on aimerait avoir, ce serait quelque chose de ce type-là, quoi. C'est, bah, je fais un git clone et puis je compile mon machin, je teste mon machin et puis j'exécute mon machin et ça marche. Ou, donc le niveau on va dire encore plus base, ce qui est attendu par la plupart des étudiants que je vois ces dernières années, c'est je fais un git clone, je pointe mon IDE dessus et il y a un bouton lancer quelque part, je clique dessus, ça se lance, quoi. Voilà. Et c'est un peu le type d'attente qu'ils ont quand ils voient d'autres projets, notamment les trucs très à la mode, issus du web ou autre, où c'est relativement indépendant de la plateforme qui est en dessous. Nous, la difficulté, c'est qu'on n'a pas ce luxe-là. Mais c'est assez peu lié à la plateforme qui est en dessous, et c'est un peu le genre d'expérience qu'ils ont. Et ils s'attendent à trouver la même chose partout. Alors, récemment, je me suis mis à jouer un peu avec Rust, juste pour voir un peu autre chose. Et comme ça fait partie de ces nouvelles générations de langages qui arrivent avec de l'outillage, c'était intéressant de voir l'outillage qu'il y avait autour. Et donc, notamment, ils ont un outil qui est vachement bien, qui s'appelle Cargo. Et donc, probablement que c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme inspiration à terme pour ce genre de choses-là. Et donc la façon dont ça marche, enfin, vous pouvez prendre pratiquement n'importe quel projet Rust. Ce que vous avez à faire pour arriver au stade où vraiment ça se lance, c'est ce qu'on a sur la ligne du bas, c'est je fais mon git clone, je fais cargo build, je fais cargo test et je fais cargo run. Alors si ça ressemble pas quand même vachement au Graal que je mentionnais juste avant, je sais pas qu'est-ce qui va y ressembler, d'accord. Donc il suffit juste de savoir qu'il y a un cargo qui existe et puis qu'il y a des commandes dedans et il se débrouille, quoi. Et il se débrouille plutôt bien, c'est-à-dire qu'il récupère les dépendances, il se débrouille pour compiler toutes les dépendances qui vont bien avec les bonnes versions, d'accord. Et le bonus de ce truc-là, c'est comme ils ont une registrie derrière, on peut voir en fait toutes les bibliothèques qu'ils appellent crates, toutes les bibliothèques qui sont disponibles, c'est directement listé, ça pointe sur la documentation, donc on a quelque chose quand même d'assez cohérent entre la présence sur le web et cet outil qu'ils ont ensuite en ligne de commande, qui en plus pour le coup est facile à intégrer dans des IDE. Et donc c'est clairement ce genre d'attente qu'ont les étudiants à l'heure actuelle. Alors après, à l'utilisation, donc quand je disais que j'allais avoir des problèmes, ça commence. À l'utilisation, bah, il faut pouvoir, quand vous faites votre propre crate, il faut pouvoir décrire en fait ou votre propre projet, il faut pouvoir décrire ce que ça utilise, et c'est simplement un fichier spécifique à Cargo qui est à écrire, où on décrit bah, voilà, ce que je suis en train de faire, donc mon application, l'auteur, la version, et ensuite simplement on liste les dépendances, et ils vont un cran plus loin, c'est il y a un fonctionnement en fait par convention. Si dans le répertoire SRC j'ai un main.rs, bah, c'est un applicatif, si j'ai un lib.rs, bah, c'est une bibliothèque, et voilà. Okay. Donc là, c'est assez simple d'avoir ça par convention. Et donc pour n'importe quelle application qu'on récupère, on fait un git clone. Souvent, on va avoir un SRC main à l'intérieur, on fait le cargo run et il se débrouille, quoi.
Si je fais une bibliothèque, bien évidemment, je vais vouloir qu'elle soit utilisable par d'autres. Donc, on va avoir le sens inverse qui va être donc cargo publish, qui va permettre de dire, ben voilà, là, j'ai ma crate qui a été commitée quelque part. J'ai le descriptif de où on peut le trouver. Je fais un cargo publish et ça va finir dans le doc crates.io que je mentionnais tout à l'heure. Ça va finir listé dans les solutions possibles qu'on va pouvoir aller piocher et sur lesquelles on va pouvoir aller dépendre. Donc on va pouvoir le lister en dépendance. Et donc ceux qui l'ont listé en dépendance, bah automatiquement pour eux, Cargo, il va télécharger, compiler la dépendance pour eux. Alors, est-ce qu'on a des solutions ? C'est bien beau, hein, parce que là, on a de l'inspiration, mais est-ce qu'on a des solutions pour nous ou on a des choses, parce que des choses plus vieilles, quoi. Enfin, je veux dire, pour ceux qui viennent de chez Gnome ou autre, ils vont avoir du C. Pour ceux qui sont plutôt KDE, ils vont avoir du C++, d'accord ? Donc c'est des écosystèmes qui sont beaucoup plus vieux, on n'a pas forcément le luxe que peut avoir Rust, où ils disent on démarre un truc nouveau, donc on va faire bien d'entrée, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la chaîne, pas que le compilateur, mais aussi tous les outils qui vont autour pour avoir une expérience développeur qui va bien. Et il se trouve qu'il y a un truc qui s'appelle donc Conan, et qui serait un peu l'équivalent de Cargo, mais pour le C et C++ en fait. Donc c'est disponible sur conan.io, c'est similaire à Cargo sur le papier, il y a des petites différences. La différence que je vois majeure, c'est que contrairement à Cargo où dans l'écosystème Rust, ils font la supposition qu'on ne fait que de l'édition de lien statique, hein, en gros pour l'instant ils en sont à ce stade-là, ils font quasi que de l'édition de lien statique, donc à chaque fois ce qu'ils téléchargent c'est uniquement le code et ils le recompilent chez vous. Okay. Donc on imagine bien que dans l'écosystème Rust, les temps de compilation, dès que je vais avoir un truc un peu compliqué, qui a pas mal de dépendances, les temps de compilation vont être un peu longs. Hein. Si je prends un truc comme Camel et je m'attends de faire la même chose, là c'est pas un peu long, c'est je vais attendre 8 heures avant d'avoir quelque chose. Quoi. Et donc c'est là que Conan est intéressant par rapport à Cargo pour le coup, c'est qu'il y a la possibilité, quand on fait les publications, de pouvoir avoir des versions pré-compilées des bibliothèques. Donc ils ont un système de hash, hein, pour vérifier que c'est pour telle architecture, avec telle dépendance, avec tel flag à la compilation, etc. Donc ils ont un système de hash qui leur permet d'identifier différents builds pour lesquels ça va marcher. Et il va d'abord essayer de télécharger un de ces builds préfaits avant de compiler. Si vraiment il n'y a rien qui lui convient, à ce moment-là, bon, ben, fallback, hein, on récupère le code et on compile. Mais sinon, par défaut, il va chercher autant que possible de réduire les temps de compilation. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, à l'utilisation, bah, ce qui est sympa avec Conan, c'est qu'ils ont déjà prévu le coup en fait, pour de l'intégration, notamment dans CMake. Et donc le fichier d'usage, c'est assez simple. Hein, c'est comme le fichier cargo que je mentionnais tout à l'heure. Là, c'est simplement, on liste les dépendances. Alors, l'expression des dépendances est un petit peu plus compliquée parce que comme on n'a pas ce côté cohérent qu'il peut y avoir dans Rust, bah pour Boost, il peut y avoir plusieurs fournisseurs de Boost, quoi, en fait. D'accord ? Donc plusieurs gens qui ont fait le packaging, d'une certaine manière, c'est du packaging, le packaging Conan pour Boost. Donc on spécifie la version qu'on veut, mais aussi à quel vendeur en fait, on s'adresse pour récupérer la version. Et ensuite, il y a un système de générateur en fait pour Conan, parce qu'encore une fois, on n'a pas cette cohérence qu'il peut y avoir dans l'écosystème Rust. Il y a plein de systèmes de build différents, et donc on va pouvoir dire, bah voilà, le générateur que j'utilise, par exemple ici, c'est CMake. Mais il y a d'autres générateurs, il y en a pour Xcode, il y en a pour Visual Studio, il y en a pour QMake, il y en a pour QBS, pour Sconce, etc. Et la seule commande en fait, qui vient s'intercaler par rapport à ce qu'on ferait pour un build normal, c'est simplement de faire un Conan install avant de faire votre appel à CMake ou autre. Et celui-là, il va créer, en fait, à partir du fichier descriptif qu'on a en haut, il va créer un fichier, donc si j'ai par exemple le générateur CMake, un Conan buildinfo.cmake, d'accord ? Et ce truc-là, si je l'inclus après dans mon CMake list, ça va se débrouiller pour faire toutes les compilations pour moi, ça va tout récupérer, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc si j'utilise CMake, hein, côté CMake list, c'est ce qu'on a en bas, on va faire simplement, on teste si le fichier en question existe. Bah, si le fichier en question existe, hein, on l'inclut, il y a une macro dedans, on lance la macro, ça positionne toutes les bonnes variables CMake pour aller chercher les différentes bibliothèques au bon endroit, etc. J'ai rien de plus à faire. D'accord ? Et donc ça devient complètement transparent pour mon développeur. S'il utilise Conan, à ce moment-là, bah, tout le boulot est fait pour lui. S'il ne l'utilise pas, bah, mon fichier CMake, lui, continue à fonctionner de manière tout à fait traditionnelle. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Et donc là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Alors effectivement, on a quand même une commande de plus, mais on va avoir notre guide clone, d'accord? Si on veut faire les choses propres, on va avoir le répertoire de build séparément. Bon, ça, c'est parce que j'aime bien faire propre, mais on n'est pas obligé. On va faire notre coup de conan install, notre coup de CMake, et puis ensuite, on build, on exécute les tests, et puis on exécute l'applicatif. Okay? Il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. L'autre aspect, donc côté Conan, là c'est j'utilise, maintenant c'est le côté je publie. C'est un peu la même chose. Ça nécessite en fait d'écrire ce qu'ils appellent une recette. En fait, c'est un script Python. Et l'avantage de ce truc-là, c'est qu'on peut le tester localement avant publication. Donc on peut faire des vérifications avant même que ça finisse. Parce que pareil, ils ont un système de registry sur Conan. Donc on peut vérifier la bonne santé en fait, de ce qu'on est en train de faire avant même d'en aller là, parce qu'on peut créer une registry en fait, locale assez facilement avec. L'autre truc qui est sympa, c'est qu'il y a le nécessaire pour intégrer ça ensuite dans des systèmes d'intégration continue. Donc on va pouvoir avoir la vérification du packaging dans un Jenkins ou autre. Il est trop lourd ce micro. Et dans le cadre de KDE Frameworks, donc là c'est un peu spécifique à KDE, mais on a déjà pour les différents frameworks en fait, on a déjà des fichiers YAML qui permettent de décrire un peu les projets. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il nous suffirait de l'étendre à peine, c'est-à-dire de rendre certaines dépendances un peu plus explicites que ce que c'est à l'intérieur dedans, pour que les recettes Python, on puisse envisager de les générer automatiquement depuis ces fichiers YAML. Parce qu'on a vu que les recettes sont relativement simples. Non, on ne l'a pas vu, mais en fait, les recettes sont relativement simples. Et donc, on envisage de pouvoir générer ça de manière automatique. Pour l'instant, on en est plutôt au stade quand même de jouer avec un des frameworks, faire la recette dessus, voir la tête que ça a, et puis commencer à le faire pour deux, trois autres et voir les patterns qui apparaissent pour pouvoir justement faire cette génération. Donc ce qui est sympa avec tout ça, c'est qu'on va avoir donc les dépendances qui vont être claires, qui sont définies localement. Ça peut être utile donc pour l'intégration continue. Ça nous donne, il supporte aussi donc les dépendances transitives, ce qui est un peu ce qu'on s'attend. C'est-à-dire si j'ai quelque chose qui dépend d'autre chose, d'accord, il va faire tout le graphe de dépendance, tout récupérer les binaires s'il peut ou builder si nécessaire. Par contre, le gros problème, c'est quand je parlais de mon problème de plugin de tout à l'heure, mon problème de plugin, là par contre, il explose. Okay? Parce que si dans mes dépendances, j'ai un truc avec des plugins et puis j'ai un autre truc avec des plugins, la façon dont Conan il fonctionne de manière propre, c'est-à-dire tous les trucs qu'il récupère et qu'il build et qu'il installe, il les installe chacun dans leur petit répertoire pour pas que ça se marche sur les pieds. Et donc ça veut dire que si j'ai des plugins dans ces trucs-là, ma variable d'environnement, il va falloir qu'elle pointe sur tous les différents répertoires pour les plugins. Donc ça, c'est encore un point qui est un peu, on est encore un peu en phase exploratoire là-dessus. On pense avoir des solutions pour ça, mais c'est pas encore déployé. Et le dernier problème, donc ça c'est pour mon CAMail, c'est que même si je fais tout ça, on va trouver la solution pour les plugins. On va trouver donc pas mal de solutions pour tout ça. Par contre, dès que je vais avoir une dépendance sur quelque chose qui est exécuté au runtime, type un démon, d'accord, donc KDED ou typiquement Aconady, donc là c'est pour tout ce qui est dans KDE PIM, là c'est pas isolé, d'accord, parce que Conan, lui, il continue, il va me builder les trucs, il va me les mettre au bon endroit, mais quand je lance mon CAMail, lui, il va ouvrir une socket pour aller parler à tel service. Donc il va trouver celui qui est dans ma session utilisateur, il ne va pas trouver celui qui a été buildé, il faudrait que je le lance moi-même. Donc le seul truc qui reste en fait pour des applications qui sont un peu système comme ça, c'est voilà, ce manque d'isolation avec la session courante. Et donc là, on pense que Conan ne suffira pas comme solution. Et c'est pour ça qu'on est en train de se tourner aussi vers Flatpak. Donc l'idée, c'est pour ce qu'on espère obtenir, en fait, c'est une solution du type à 80-90% on utilise Conan. Et puis pour les 10% qui restent, parce que c'est juste des systèmes complexes et on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a des dépendances de runtime, mais sur des démons, des services qui tournent, à ce moment-là, ce sera utilisé Flatpak. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est déjà utilisé et par GNOME Builder et par KDevelop, où ils ont déjà mis en place le nécessaire pour pouvoir avoir des Flatpak. On a Alej Paul qui a fait le boulot donc pour avoir des conteneurs de base qui sont déjà faits. Donc on a un org.kde.platform et un org.kde.sdk. Et on a des fichiers descriptifs qui définissent comment compiler toutes les dépendances qu'il peut y avoir là-dedans. Alors par contre, le truc, c'est quand je fais un org.kde.platform, si moi je ne suis pas en train de développer
Je suis en train de développer par exemple Scrooge et pas Krita. Très probablement que dans le org.k2.platform, je vais avoir des trucs qui vont traîner, qui sont là parce que c'est nécessaire pour Krita, mais Scrooge, il n'en aurait pas forcément besoin. Donc il y a un côté assez maximaliste à ce qu'on trouve dans ces conteneurs. Et donc ce qu'on envisage, en fait, c'est d'avoir donc des conteneurs prêts à l'emploi téléchargeables, avec cette vision assez maximaliste du contenu. Ensuite on peut rajouter donc un autre conteneur encore par dessus, parce qu'en fait on peut juste les empiler, hein, les conteneurs. L'idée ça serait de faire un conteneur spécifique pour PIM, où là on aurait tout le Aconadi, tous les trucs spécifiques à PIM pour le développement de ces applications là en particulier. Les descriptions donc pour les dépendances, hein, c'est des fichiers JSON, hein, qui sont attendus par Flatpak, et là c'est simplement on liste en fait tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de notre conteneur avec toutes les options de compilation, etc. Ça reste relativement accessible. Et on indique aussi où on va le chercher, quel tag, etc. etc. Et ce truc-là, pour l'instant, on les fait ensuite builder de manière automatique. Donc pareil, hein, si on se remet toujours pareil dans les chaussures de notre étudiant, avec l'outillage nécessaire dans KDevelop, donc ça c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui, ou dans Gnome Builder, c'est vraiment, il ferait le git clone, il ouvre le projet dans KDevelop, et puis quand il fait lancer KDevelop, il voit, oui, mais il lui faut un conteneur, il télécharge le conteneur, il exécute dans le bon contexte. Donc si on suppose, hein, qu'on a un manifeste Flatpak donc dans chacun de nos projets, bah, effectivement on arrive à cette situation, on a le git clone, on télécharge le conteneur Flatpak, donc soit à la main, soit automatisé par l'IDE. On compile et on installe l'implication dans le conteneur, parce qu'en fait on a ce conteneur, mais on peut venir écraser à l'intérieur, hein, parce qu'on suppose qu'on aurait déjà l'application dedans, on lance le conteneur et... on a quelque chose qui tourne. Donc les gros avantages, c'est qu'on a déjà l'intégration dans KDevelop, hein, on a déjà tout un tas de dépendances qui sont compilées, parce que ça nous sert aussi pour d'autres choses, Flatpak. Ça permet le démarrage, hein, depuis IDE en un seul clic, donc ça c'est pas un problème. Et le problème qu'on avait avant et que ça résout, c'est que là on est complètement indépendant de la session courante, et que ça supporte facilement donc, tout ce qui est runtime complexe façon KDE PIM. Gros problème, bah, c'est spécifique à Linux, d'accord. On va pas pouvoir servir de ce truc-là pour aller récolter des contributeurs Windows. Très gros téléchargement à cause de cette vision maximaliste. Et système de dépendance ultra limité, parce que Flatpak, en gros, les dépendances, on peut pas faire de graphes, hein, c'est vraiment juste, j'empile des couches. Okay, je peux pas, par exemple, je pourrais pas avoir le conteneur PIM qui dépend et sur le conteneur SDK et sur un autre truc. Non, il peut avoir qu'une seule dépendance. Donc ça, c'est un peu limitant. Et pour le moment, si on va avoir quelque chose d'assez sympa à utiliser, c'est vraiment lié à l'IDE. Hein, parce que quand je dis bah, il suffit d'aller télécharger le conteneur, à l'heure actuelle, en ligne de commande, c'est pas forcément génial. Et bien évidemment, on a une certaine quand même complexité, hein, qui est inhérente au conteneur, parce qu'on gagne en isolation, mais ça veut dire que si je trouve un problème et que j'ai besoin d'aller débugger, il faut que j'arrive à m'attacher à l'intérieur du process, à l'intérieur du conteneur. D'accord ? Donc ça, c'est pas forcément idéal si je veux le faire à la main. Donc on a pas mal de choses qui ont été explorées par ça. Donc là, ben, vu le temps, il va falloir que je conclue. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même pas mal de solutions qui sont en vue. Okay, ce qui est important, à mon sens, dans cette présentation-là, c'est deux choses. C'est déjà l'approche, c'est de se dire, bon, okay, je vais me mettre dans les chaussures de mes étudiants, d'accord, donc le gars qui débute, et puis après je vais me mettre dans les chaussures de mes développeurs habituels, et je vois les habitudes des deux et où se trouve le gap, d'accord, qu'est-ce qu'il va falloir que je corrige, et c'est comme ça en fait qu'on est arrivé à se dire, ben voilà, on a des solutions potentielles, on en a cherché, mais c'est des solutions qu'on n'aurait même pas évaluées si on ne s'était pas posé, cette question-là. Et bien évidemment, on est dans une situation où si on a vraiment du logiciel complexe, on ne va pas avoir une solution qui marche dans 100% des cas. C'est pour ça qu'on se dirige vraiment vers... on essaye à maximum d'avoir quelque chose de simple et uniforme avec Conan, et puis pour les quelques cas exceptionnels où là, on ne peut rien y faire, bah, on a un truc un peu plus compliqué, mais au moins, on offre quelque chose de plus sympa qu'il va falloir te peler la compilation de tout le temps. Et donc tout ça, c'est un boulot qui est essentiel parce que si on veut que nos projets survivent, et notamment pour des trucs système, si on veut que ça reste un minimum à la mode et qu'il y ait des gens qui continuent à venir, et bah, il faut s'intéresser à ces développeurs qui sortent des universités. Et on ne peut pas simplement se dire, je te jette dans la piscine et puis tu sais nager, quoi, maintenant. Si on prend un bébé, ça marche pas bien. Donc du coup, il faut vraiment se poser ces questions-là, hein, sur les autres projets. Et
C'est important parce que globalement, hein, si c'est les développeurs, il faut qu'ils aient l'impression de se sentir bienvenus, d'accord? Il faut vraiment qu'il y ait le paillasson avec marqué bienvenue sur votre porte, parce que sinon, vous allez avoir que les gens qui sont les plus motivés par le sujet technique, parce qu'ils ont déjà bien des connaissances dessus, ou qui sont vraiment motivés sur le côté logiciel libre, parce qu'ils ont déjà bien des connaissances dessus. Mais ça, je pense que maintenant, depuis le temps que tout ça existe, on sait que c'est pas une majorité, c'est pas forcément une majorité. Et donc, il faut trouver des moyens d'attirer des gens qui sont peut-être un peu moins sensibles et aux challenges techniques et au contexte liberté, pour ensuite leur expliquer ce que c'est. Mais si on se dit, non, je te mets une grande barrière, et puis passe la barrière, et après je t'explique ce que c'est sûr que ça ne va pas se développer. Et donc ça, hein, c'est nécessaire parce que si on veut que nos communautés continuent à grossir, notamment pour tout ce qui est un peu proche, hein, du système, qui s'intègre un peu dans le système, bah, ce travail-là, va falloir le faire. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous remercie d'être venu dans cette très grande salle, et si vous avez des questions. Alors, dans Zenshin, ouais, clairement. Ah oui, alors pardon. La question, c'était. Oui. Je t'ai vu arriver. La question était. Donc, les réflexions étaient intéressantes. Je te remercie pour ça. Je profite pour me passer de la pommade. Donc, je bosse sur un projet qui s'appelle Zenshin, qui est un peu dans la situation de Camel. C'est-à-dire que ça dépend d'Aconadi, ça dépend de tous ces protocoles et intégrations, etc. Non, parce que pour le coup, je suis une version de décalage par rapport à Camel. Parce que Camel est vraiment sur Git et moi j'attends vraiment qu'il release une version de la plateforme. Donc là, pour l'instant, pour te donner juste une idée, Zenshin ne compile pas sur le master de tout ce qui est KDE PIM, parce qu'ils ont fait une cassure d'API dedans. Et donc pour l'instant, je dis non, moi tant que c'est pas releasé, je ne passe pas dessus. Donc je ne suis pas vraiment en edge par rapport à ça, mais oui, très clairement, c'est quelque chose que j'envisage de faire. Après, je suis un peu tenu sur le fait que bah, il y a un plus gros utilisateur que moi, d'accord, donc qui est tout le reste de KDE PIM avec Camel, K-Organizer, etc. Il faut qu'ils fassent un peu le boulot aussi. Si je fais un truc qui me va à moi, mais qu'ils ne peuvent pas réutiliser, tu vois, ça a pas tellement de sens. Donc c'est quelque chose que j'ai en ligne de mire, mais c'est encore un petit peu dans les limbes à cause de ça, parce que je suis un peu tenu par le reste de la communauté PIM. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, alors, donc ça c'est un truc que j'ai pas forcément explicité. Donc la question c'est, ça va bien pour l'application, donc le truc que j'ai tout en bout, mais des fois quand on trouve le problème, c'est dans une des dépendances justement qu'on a récupérée. Okay. Et donc pour le développeur qui a déjà une expérience et qui connaît ses dépendances et qui veut pouvoir aller régler ça, comment il fait? Alors en fait, on s'est posé cette question-là. Alors c'est quelque chose que je ne rends pas forcément explicite dans cette présentation-là parce que c'est plus orienté sur penser à vos développeurs qui sont en bout de chaîne, qui doivent rentrer pour les applicatifs. Mais dans la situation Flatpak, parce que typiquement pour un truc comme Camel, c'est plutôt vers ce scénario-là qu'on se dirige. Dans la situation Flatpak, ce que je mentionnais, c'est en fait on fait un manifeste par application, d'accord, qui crée le conteneur, la dernière couche de conteneur pour l'applicatif. Okay, qui vient par-dessus le SDK, qui vient par-dessus la plateforme. Ce conteneur-là, il contient déjà l'application, d'accord? Celle que toi, tu as clonée, etc., il est aussi dedans. Mais comme tu fais le make install, ça vient l'écraser à l'intérieur. Ça va? Si on fait ça pour l'application, comme on a tout l'empilement, on peut faire ça aussi si on s'aperçoit que ah, mais le problème, il n'est pas dans Camel, mais on a une bibliothèque qui s'appelle MessageList, c'est en fait dans MessageList. Rien ne m'empêche de faire le git clone de MessageList et de faire exactement le même boulot avec MessageList et lui dire, tu viens me faire le make install dans le conteneur et t'écrases le MessageList qui est dans le conteneur. Et donc là, tu te retrouves avec la même situation que ce que tu aurais en beau bordel dans ta machine, sauf que c'est tout à l'intérieur de ton empilement de layers pour ton conteneur. D'accord? Donc ça marche aussi pour les dépendances. Okay. Une autre question?
Alors, le fait est que manque de pot et timing, cette année, je ne vais pas faire de projet étudiant. en fait, ils ont changé un peu la formule à la fac. Et comme j'ai déjà vu deux, trois changements de formule et que j'en ai marre d'essuyer les plâtres, j'attends que ça se stabilise. Et puis après, je réévaluerai pour voir si ça vaut le coup que j'investisse du temps dedans. Mais je m'attends à ce que cette année, ça soit vraiment trop le bordel. Donc, comme je sais que je vais avoir peu de temps par ailleurs, etc. Donc, pour cette année, sur Toulouse, malheureusement, non. Après, le problème qu'on a avec les étudiants, enfin, je l'ai constaté avec les étudiants, mais je veux dire, c'est un problème qu'on a pour n'importe quel contributeur débutant aussi. Donc, à mesure que cette solution-là, parce que là, on a dû en faire peut-être 10 à 20% pour l'instant, à mesure que cette solution-là va avancer, on espère que ça va aider de plus en plus de gens et pas uniquement des étudiants. Non, là, c'est encore trop tôt pour ça. C'est encore trop tôt. Au niveau, comme je disais, par exemple, la première étape, c'est vraiment le côté Conan. Ah, pardon. La première étape, c'est vraiment le côté make install. D'accord? Donc, sur le make install, on a le boulot qui est normalement quasi fait sur tout ce qui est KDE Frameworks et sur une bonne part, on va dire, des grosses applications habituelles. Sur Zenshin, par exemple, on a fait le boulot. Tu vois, enfin, y a déjà des trucs comme ça qui sont faits. Après, comme c'est juste sur la phase make install, ça n'a pas encore vraiment changé. Il y a toujours le problème de, il faut installer les bonnes dépendances, etc. Donc là, pour l'instant, ceux qui sont contents et qui en bénéficient, parce qu'ils ne s'étaient jamais posé la question, mais ils en bénéficient quand même, c'est les développeurs qu'on avait déjà. Sur le côté Conan, on est encore, c'est pour ça que je dis, on a fait vraiment qu'un tout petit bout du boulot, on est encore sur la phase à faire le packaging pour deux, trois frameworks. D'accord? Donc vraiment, l'avantage, on va commencer à le constater quand on aura le packaging entièrement pour Conan, entièrement automatisé, avec la publication en sortie de Jenkins pour l'ensemble de KDE Frameworks. Quand on en sera là, là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire vraiment les tout petits bouts de fichiers Conan dans les différents applicatifs type Krita, type Scrooge, type. Voilà. Et là, d'un seul coup, on va pouvoir enfin sortir la tête de l'eau et réévaluer la situation et dire, OK, est-ce que vraiment maintenant ça va mieux ou pas? Là où on est sûr que quasi ça va aller mieux, c'est que d'un seul coup, quand on aura ça, pour 80% de nos applications, la page comment ou le fichier comment contribuer, ça sera le même dans tous les dépôts Git, quoi. Et ça, rien que ça, c'est énorme parce que nous, déjà en temps de maintenance de ce genre de truc-là, ça terminé, quoi. Même raison, ils n'ont pas switché parce qu'on en est encore au stade où on en a juste quelques-uns, mais typiquement, moi je suis dans les starting blocks à mesure que ça se déploie, pouvoir commencer à m'en servir, clairement, j'attends après. C'est un peu la même question qu'avec la solution Flatpak qu'on aurait pour Zenshin, dès que je peux m'en servir, je saute dessus. Je sais pas si on a le temps pour encore une question ou si on est censé s'arrêter. Mais... Hein? On est large niveau temps? Ah oui, puis il y a la pause déjeuner, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller. Jusqu'à 13h30 si vous voulez. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie.